Ok. Salut tout le monde, ici Vincent Studio avec Yakipon et Jake toujours sur le siège passager, moi au volant parce que tu te vroom vroom pour être poète la voiture. Très bien. Et le klaxon c'est comment? Voilà. Voilà, c'est le fameux klaxon. Donc on reprend les volants, hein, comme on l'a dit hier, et puis voilà. Tout simplement. Alors, on était où? Putain, je l'ai fait hier, j'ai revu le replay pour faire les clips et je sais même plus ce que je dois faire. Quoi. Ah, je sais ce que j'ai envie de faire, mais est-ce que c'est possible? Ah, mais non, c'est pas possible. Je voulais aller voir la mamie pour la mahana et faire évoluer mes personnages. Bon, mais en vrai, je sais pas trop quoi faire, hein, cela dit. Parce que on a battu le démon, là. Mais après, il faut aller chercher les deux autres, mais on sait pas où ils sont. Je pense qu'on va, quitter le village, on va voir ce qui se passe. Il y a plein d'endroits que je peux aller grâce à la glace, maintenant. Ouais, ben... En vrai, je sais plus trop aller, moi. Genre, ce caillou, j'aimerais bien le péter. Hein. Peut-être question, enfin, pas question, mais... S'il faut, j'ai un passage dans l'eau grâce à la glace pour passer de l'autre côté. Donc, je vais regarder le... Eh ben, je ne peux pas. Bon... C'est pas par là. Mercredi, j'ai oublié ce que je devais faire. Enfin, pas ce que je devais faire, mais où je devais aller. Ok, là, je peux pas aller là. Attends, s'il faut, faut aller là-bas. Genre, j'ai jamais testé d'y aller. Là, on a essayé d'aller au village, ça passait pas, mais là-bas, j'y suis pas allé, si. Non. Non, je pense pas y être. Voyons voir. Le laboratoire. C'est peut-être là qu'il fallait aller. Le laboratoire de... De Velvet. Oui. Tu veux. Il y a autre chose à voir, mais oui. Peut-être que c'est possible. Merde. What a Yavlooped. Bon, bah, je pense que je vais pas pouvoir aller bien loin. Cette porte me rappelle quelque chose. Ah, super. Eh bien, je me suis fait eu. Bon, ben on repart. Mais merde, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai tué un démon et je dois chercher l'autre, c'est tout? Oui. Mais il est où l'autre? Là où il s'enfuit. Ah, j'ai peut-être une idée. Peut-être que j'allais voir le gamin, là. Le gamin pourri. Mais casse-toi, toi! Non, ils étaient pas là. Hein. Non. Ils étaient plus haut, ils étaient à l'orphelinat. Hein. Ils étaient là. Est-ce qu'il est revenu? Bah non. Mais j'ai trouvé 5 gold. Bah merde alors! Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à la prison? Non. Ah peut-être, je l'ai dit. Bah merde! Et toi, il est où ton chef? Si je rentre dans la base secrète, ils vont me dire faut pas faire ça? Ou ils s'en foutent? Un coup de main? Ouais. Il faut que tu ailles dans les mines. Ah bon? Moi, on avait déjà trouvé la clé de la mine. Bon. Soit. Je me rappelle pas qu'ils aient parlé des mines. Qui veut se battre aux cartes contre moi? Merde, elle est où la sortie du village?
C'est bon, elle est là. Aïe, aïe, aïe. Je suis vite perdu quand même. Oui, t'as dit aux mines. Oh là là, mais je suis perdu. Allez, je me réveille, on est parti. Salut, Sylvain dans le studio. Oh putain. Ah oui, ils sont tous morts. Avec un peu de chance, je mourrai bientôt dans un éboulement. Mais pourquoi vous êtes libre là? Attaqué par démons. Bah oui, j'ai vu. Es-tu vraiment certain de vouloir faire ça? Oh, ils sont là. Tu as vu ce qu'ils sont devenus? Les démons sont la race suprême. Comment peuvent-ils se considérer comme des esclaves au service des humains? Ils ne méritent même pas de... Ils ne méritent pas de continuer à vivre. Bon, je vais mettre mes lunettes au final. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut... faut avouer qu'on ne sait pas lire. Hein, que je vais mettre mes lunettes pour y voir plus clair. Donc, bien. Je ferai ce que tu veux. Je pense qu'en plaçant bien ces bombes, je dois pouvoir faire s'effondrer la mine. Ils vont tous mourir. C'est ce que c'est bien ce que tu souhaites. Ce ne sont plus des démons. Salut. Il semblerait que nous ayons de la visite. Laisse-moi m'occuper d'eux, comme tu voudras. Si vous êtes ici, cela veut dire que ma sœur chérie, vous allez me le player. Player, ouais. Oh, c'est Bomberman. Oh, faut lui renvoyer. Faut en renvoyer plein. Aïe! Ben, ça va être long en fait. Le temps de tout renvoyer. Bim! Enfin, c'est un Bomberman, mais un peu chelou. C'est un mélange de Bomberman et de Space Invaders, pas du coup. C'est surtout que là, je vois pas trop... Oh là. Merde. Tiens. Non, non, non. Ok. Ah, faut que j'attende qu'elle passe. Putain, je suis con, moi aussi. Tiens. Mais... Ah. Bim. Easy. Du premier coup. Qui tu es? Tu n'es pas un de ces faibles humains. Je sais pas pourquoi je fais la lésion, mais c'est pas grave. Pas question que je meure ici, je dois encore aider mon prince à souvrir sa vengeance. Oh. Nous nous reverrons certainement. Mais non. Ouais, le petit pont de bois. Elle m'a laissé des bombes, ça veut dire que je peux... Oh, j'ai un nouvel équipement. Vous avez obtenu les bombes. Il vous manque plus qu'un boomerang pour avoir le costume complet de l'aventurier. Je veux un boomerang. Comment on fait pour poser une bombe? Oh, j'ai trouvé. Je vais creuser partout. Le 100%. Waouh. C'est cool. Pif, pouf, paf. Ok, on s'en va. Ah, je suis allé vachement loin. Alors, oh merde. Je suis débile. On s'en va. Mais ah, oh, mais bon. Oui, j'étais très fort à Bomberman. Ne vous déplaise. Ah mais je peux plus taper. Tiens. Oui, si je reste aligné par contre c'est pas bon. Genre je peux plus mettre un coup d'épée. Attends, comment on fait? Genre non, je crois que dans la mine je peux jouer qu'aux bombes. Bon bah soit. Je suis vraiment un abruti, hein, c'est pas possible. Genre la connerie vous a atteint monsieur. Vous êtes bête. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en vrai là?
Est-ce qu'il faut tuer juste tous les rats? Ou est-ce qu'il faut tout casser? Parce que s'il faut tout casser, je suis parti là. Mais... Bon, fallait pas tout casser. Enfin, faut peut-être tout casser, plutôt. Ok. J'ai tout cassé, ça n'a rien fait. Donc j'imagine qu'il faut que je trouve des wagonnets. Il est là, mon wagonnet, putain. Quel imbécile. Ah non, reviens! Ah, je peux pas revenir en arrière. Merde. Oh là là, il y en a tellement à faire. Il y en a, elles ont des lunettes. Ok. J'étais gourmand. Ça fait quoi, ça? D'accord. Oh non. Je suis bête comme ça. Non, c'est pas grave. Mais je suis un imbécile heureux, moi. Oh là là. Je recommence là. Ah ouais, quand même. C'est un peu la punition de la punition, ça. En vrai, je vais juste casser ce qui est à côté du rail. Voilà. Et je me casse. J'ai pas besoin du reste. Allez, vroom 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 vroom. Ok. On ira peut-être plus vite, hein, en faisant moins le con. Et en voulant tout détruire. Oh non. Mais je veux la poser la bombe un jour, bon, mais c'est pas possible d'être aussi con. Mais j'aime pas Bomberman. J'ai toujours été une quiche. Non mais... Ça va prendre un tête. Ok. On va quand même aller chercher le coffre. Merde! Faut sûrement que je l'amène là et après que j'active le machin. Bon, on va aller chercher le chose. Ok, ça là. Bon, la pièce, elle me dit coucou depuis tout à l'heure, faudrait bien que je la prenne. Bon! Chouic. J'ai gagné de la gelée verte. J'en ai marre de ces gelées. Alors. On monte, on descend.
Est-ce que ça fonctionne là? Genre en vrai. Ah mais c'est bon. Il y a un chemin pour aller en bas. Est-ce qu'il faut pas prendre le chemin pour aller en bas? Si, on va tester, je crois qu'il y a un coffre. Go! Vroom, 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 vroom. Ah! Mais non, mais... Et la porte qui s'ouvre en cage, genre, elle vient... Ah, ben non. C'est ça? Oui, c'est celui-là. Ok, go! C'était peut-être pas par là. Merde. On va falloir tout tester. Oh non. Voyons voir en haut. On sait jamais. Comme ça au moins s'il y a... Voilà, tant mieux. La 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 la, une étoile. Bah, vas-y. Hop. J'arrive pas à sortir du... Oh, il y a un creeper. Astuce, tu peux mourir sur un creeper. Ah oui, en effet, il m'a foncé dessus. Oh! Bon, c'est pas une astuce, c'est beware! Mourez! Putain! Oh là là, ce combo parfait! Incroyable! Bon, en vrai, j'ai pas regardé la map. Bon, il doit y avoir un truc ailleurs. Pousse-toi. Mais casse-toi. Mais va-t'en. Toi aussi, bam. Et toi? Et toi là? Et toi? Et toi? Ok, on va chercher tout ça. XP, ça peut être important. Ça peut. Oh. Bon, c'est pas grave. Idiot. C'est moi, c'est l'idiot du village. Salut, c'est Elisa de la jungle. J'ai le pouvoir de parler aux animaux. Oh non. Et moi j'ai le pouvoir d'être très con par contre. Ça, c'est un pouvoir caché, personne ne l'a. Hein. J'ai le pouvoir de parler aux animaux, c'est formidable! Mais c'est top secret. Mon dieu, c'était nul. Le dessin était bof. Enfin, c'est pas bof, on va dire que j'accrochais pas au style graphique, nuance. C'était particulier pour l'époque. Oui, c'est pour ça. Je préfère dire ça que dire que c'était de la merde alors que le type il a dessiné toute sa vie si fou, voilà quoi. Enfin bref. Oulala, mais où on va là? Au revoir Yves! Putain, mais où on va? Non, 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 je suis reparti dans l'autre sens! Oh non! J'adore ma vie! Oh, mais s'il faut, je vais louper plein de secrets dans cette mine à la con! Bon, refais pas la même connerie, touche pas à ton stick. Ok, c'est bon. Alors, il faut qu'on aille en bas. Pour ça. Pour aller en bas. On peut faire ça. Ah, je pense qu'il va falloir faire plusieurs arrêts. À moins que...
que ce soit possible autrement. Je pense pas. Ouais, parce que c'est soit à droite, soit à gauche, là. Non, c'est pas possible. Donc, on va faire plusieurs arrêts. Allez, c'est parti. Tout d'abord là. Ensuite, on le fait tourner là. On le fait tourner là. On le fait tourner là-bas. Je crois que j'ai fait de la merde, hein, cela dit. Mais bon. Oh bah non, c'est bon. Allez, go! Oui! Mais il y en a tellement. Allez, vlan. Arnaque à l'assurance. Je réfléchis. Bah. Ah oh, merde, j'avais oublié qu'il pétait l'autre. Oh le salaud, putain! Oh le connard! Il m'a bien eu. Pour pas dire. Je dirais pas. Qu'est-ce que je dois faire sur cette map? Je viens d'en haut et il y en a qui viennent du sud et par tous les chemins ils y reviennent. Et ce chariot là, il fait quoi? Il bloque juste le passage. Très bien. Là aussi, il y a des chariots qui bloquent. Mais quel con sera bon. Est-ce qu'il faut faire péter le truc TNT? Attends, il y a un texte. Attention, rocher explosif, déplacez la dynamite avec prudence. Non, moi je veux tout faire péter. S'il vous plaît. Je l'ai raté. C'est pas grave. J'en pif. Holy fuck, je suis mort. Bon, faut peut-être pas taper dans la... Ou est-ce que j'étais trop près? Je pense que j'étais trop près. S'il faut, faut le faire péter, hein, cela dit. Faut faire des tests. J'ai cru que j'avais pété encore, mais non, c'est juste pris un niveau. Quel con. Tiens, j'avais prévu le coup. Paf, la pastèque. Courez! C'est bon, on peut le faire. Attends, mais... Je peux pas atteindre celui du haut. Et pourtant, je vais le faire exploser. Comment je fais? Est-ce que j'ai pas un gant pour faire vlu de l'autre côté? Peut-être pas. Et si je prends... Je peux pas prendre... Ah, je peux pousser la dynamite. Ah. Allez, go. On va tout faire péter. Même si c'est pas là qu'il faut aller. Au revoir! Il y a une caisse qui est tombée du ciel. Tombée du ciel! À travers les nuages! De... Quelle reprise! Quelle reprise! Ah, j'ai tout fait péter. Je suis pas allé en bas, cela dit. Allons en bas. Va t'amuser sur le lit d'éponge. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est du Nemo. Au tout début. Quand il dit à son fils d'aller jouer sur le lit d'éponge, et t'as un poisson qui joue sur le lit d'éponge, sauf qu'il tombe et tout le monde fait... Après, il pleure. Moi, ça m'avait fait rire. Forcément. Ah ben, à l'époque, c'était marrant. À l'époque. Bon, eh ben, on va amener le bloc TNT là-bas, hein. Ça va prendre un peu de temps, j'espère que c'est worth de faire ça.
Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Ouais, j'espère que ça vaut le coup. Là, là, là. Ya, 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 I am Lord. Oh, mais quel con. Je veux le coffre. Ah, j'ai eu mon coffre. C'était pas celui que j'avais visé à la base, mais... Minerai d'Oricon. Ça a l'air vraiment rare, le minerai d'Oricon, parce qu'à chaque fois, c'est des... Ça, c'est pas des puzzles, là, c'est chiant, c'est juste que... Ils me les filent quand ils sont vraiment bien cachés, ou... Ouais, ça a l'air d'être la ressource ultime. Tiens, une lanterne. Bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh non, j'ai peur. J'ai peur de prendre un truc et de pas pouvoir revenir. Oh putain. Oh là là, mais quel enfer! Ok, donc là j'ai pu faire quelque chose, très bien. Ah, il y a un morceau de rail. D'accord, il faut trouver des morceaux. Holy fuck! J'ai une chance! Mais j'ai une chance! Chouette, vous allez pouvoir continuer votre paisible balade dans votre joli wagon. Oh la vache, ça m'a fait peur. Oui, j'ai peur pour rien, et alors? Bon, on va faire plaindre. On va faire plaindre plein de blagons. Un jour, je saurai parler. Mais peut-être pas aujourd'hui. Donc là. Ah, super, il m'en manque encore beaucoup. Allez, go! Ah, il y a des coffres. Oh, bordel, mais il y a des rats partout. Où est le dératiseur? Ah! Mais quel con! Et je continue! J'en vois, ça a l'air cool. Boum. Boum. Quand votre cœur fait boum. Mais, ok. Oh, il est invincible. Il est trop fort. Ha! C'est apprendre à la pousser. Imbécile! La, 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 la. Allez, pousse-toi, je prends mes ressources et je me casse. Toi, je vais t'écraser si tu continues. Brum, 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 brum. Bon. Ok. Donc il me manque un rail. Est-ce que je suis allé là? Je crois que oui. Ah non, je ne suis pas allé là. Oula, mais où on va? Ah, il y a une taupe. Ah, je crois qu'il va falloir tuer toutes les taupes. Taupe à la vachette. Ah, ça va, j'en ai tué plein, là. En faisant n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce une énigme? Est-ce que c'est un tic-tac-toe? Genre... peut-être. Mais... elles reviennent... à l'infini ou quoi? Mais oh! C'est pénible! Est-ce que si je fais un tic-tac-toe, genre... Ouais. Non, je crois que je les ai toutes tuées, ça m'a donné ça. Hein. C'était complètement la coïncidence. Bon, j'ai mon dernier rail. Sauf que... Il y a 2-3 trucs pas très nets. Genre déjà, il y a un... Un ça, là. Genre, clic. Bon, maintenant que j'appuie dessus, où je vais avec celui-là? Est-ce que ça m'a bougé un élément ici? Non. Je pense que c'était pour le chariot juste à côté, cela dit. Mais bon. Faut tenter.
Alors, voyons où on va là. D'accord, on revient ici. Donc, si je change là, peut-être que je vais pouvoir repartir ailleurs avec ça. En effet. Ah, oh, ça va m'amener peut-être au coffre que... Ouais! Celui-là. Mais donc, il m'en manque un. J'ai trouvé un minerai d'oricon. Allez, on repart. Vroom, 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 vroom. Tiens! Bon, le problème, c'est qu'il me manque un coffre, mais est-ce que je vais l'avoir là en prenant celui-là? Je ne sais pas. Prenons la sauvegarde pour régénérer. Genre, il y a un coffre un peu plus bas, mais... Ah, là! Il y en a un là, et il y en a un autre en montant. Vous avez obtenu la multibombe. Quoi de mieux qu'une bombe? Plusieurs bombes. J'avais déjà plusieurs bombes. Ah! Ah merde! Vlu. Bah, ça a pas fait... Oh là là. Mais déjà que c'était le bordel, mais là, je vais mourir. On est d'accord. Genre, je vais faire une erreur et... Oh, merde. Et prenons l'expérience. Donnez-nous la patate. Vlu. Vlu. Là, c'est le dératiseur. Oh, je l'ai raté. Avec tout ce que j'ai, je l'ai raté. Vloom, vloom, vloom. Vloom, 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 vloom. Boom. Non, I want you in my room. Ça qui dit. Oh, mais quel con, lui, a toujours tout poussé. Oh, mais mourrez. Mourrez tous. Boum. Oh, j'ai gagné un niveau. Ouais, deux d'attaque et un de défense. C'était vraiment le niveau très très cool. Bon, prenons ça. La 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 la. Le problème, c'est que ben, j'ai l'impression qu'il y a un mur destructible au-dessus. Mais que je peux pas le faire péter parce qu'il n'y a pas de gros bloc TNT. Genre là. On dirait vraiment qu'on peut faire quelque chose de ce mur. Oh, d'accord. Et là, il n'y en a pas un bloc qui vient de se débloquer? Je suis sûr que c'est ça. Mais il faudrait trouver un bloc TNT. S'il faut, faut éliminer tous les monstres. Il n'y aurait pas les monstres? Non. Là, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure. Donc je vais tous les tuer, on va voir. S'il faut, c'est ça, hein. S'il faut, c'est pas ça, mais je m'en fous. Moi, j'aurais testé. Quoi? Il a pris le dégât, mais il s'est retourné. Mais il est intuable. Oh mon dieu, cet hérisson est trop fort. Mais... Il n'est pas tuable. Et là, tu vas mourir ou pas? Ah. Tiens. Meurs. Merci. Bon, c'était pas ça, c'est dommage. Eh bien, je pense, malheureusement pour moi, que je vais devoir arrêter. Non, c'est une blague. Bon, ben, va falloir que j'abandonne. J'aime pas ça, mais bon, tant pis. On continue. Mais il y avait un coffre qui était caché ailleurs. Mais j'aime pas tout laisser comme ça, là. Oh merde. Courez. J'imagine que là-bas c'est à la sortie, donc on va chercher, on va fouiller un peu. Attends, mais c'est pas le début ça? Si. Si, c'est le début. Mais il me manque un coffre, hein? J'en suis certain. Oula. Désolé, petit rat. Bon. Ça me fait chier, je suis sûr d'avoir loupé un coffre. Bah super. Ainsi, vous m'avez suivi jusqu'ici. Que croyez-vous pouvoir faire? Ben, j'ai des bombes.
Et vous, que cherchez-vous à faire exactement? Ah, vous me prenez pour qui? Vous croyez que je vais faire comme ces méchants qui racontent tous leurs plans aux héros? En fait, vous n'avez pas de plan, c'est ça? Si, nous avons un plan, mais pas question que je vous le raconte. Dans ce genre de cas, le héros en apprend toujours assez pour contrecarrer le méchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jackie, mais à mon avis, elles bluffent. En fait, elles n'ont pas de plan. C'est aussi mon avis. Mais puisque je vous dis que nous avons un plan, bon alors, je vous en dévoile juste un petit bout. Nous vous écoutons, et tâchez d'être convaincante, sinon nous considérons que vous n'avez pas de plan. Je vais faire de mon mieux. Les idiots, quoi. Alors notre plan, c'est d'amasser assez d'énergie magie. De cette façon, nous pourrons entrer dans le laboratoire du professeur Giraud. Le professeur Giraud? Celui qui a vécu à l'époque de l'Empereur? Celui qui aurait redécouvert des secrets magie et construit une arme d'une puissance phénoménale? Vous en savez déjà trop, beaucoup trop. Pas question que je vous en dise plus, je vais plutôt vous faire taire. Apparemment, ils ont bien un plan, mais ça me dit vraiment rien qui vaille. C'est reparti pour Bomberman? Voilà. Ah. Elle est chiante. Mais putain, mais... Qu'est-ce que... Je suis bloqué? Ah non, oh, j'ai eu peur que j'ai bugué. Eh, mais ce sont mes bombes. Je me demandais justement où je les avais laissées. Rends-les-moi. Oui. J'ai rendu. Tu es bien naïf. Comme ça, moi, je peux taper avec mon épée. Et mourir aussi par la même occasion. Pff, elle se tue elle-même. Pas un cœur quelque part, s'il vous plaît. Attends! Mais j'ai une potion, moi! Potion rouge. Oui! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait 8? Oh la vache, ce qu'elle me met. J'aurais jamais dû le rendre. Mais elle se suicide. Oh la vache. Ouais, j'ai gagné. Pff, facile. Tu es vraiment très fort. Je vois mieux pourquoi, comment tu as pu vaincre Chérie. Et je comprends aussi ce qu'elle désirait à l'instant de sa mort. Ces derniers mots, Chérie, elle voulait empêcher votre chef de provoquer cette catastrophe. Oui. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début. Empêcher cette folie, renoncer à cette vengeance qui ne fera que perpétuer le cycle de la violence. Mais qui sommes-nous pour décider de cela? C'est notre devoir de lui obéir. Je pense que personne ne devrait obéir à qui que ce soit. Nous sommes tous des êtres doués de libre arbitre, pourquoi laisser qui que ce soit décider à notre place? Ce n'est pas ce que l'on m'a appris. Peut-être que si j'avais été plus forte. Mais vous, vous devriez pouvoir l'arrêter. Promettez-moi juste de ne pas lui faire de mal. Il a tant souffert pendant toutes ces années. On l'arrêtera avec ton aide. C'est trop tard. Je suis désolé de ne pouvoir rien faire. Plus personne ne bouge. Oh non, c'est encore les conos, là? Mais où sont-ils? Ah, super, derrière nous, c'est encore une fois. Mais c'est pas possible. Cette fois, ils ne s'échapperont pas. Nous les capturons, car nous sommes... les forces spéciales de l'Empire. Rendez-vous, vous êtes cerné. Techniquement, nous le serons... Ah, attends. Techniquement, nous le cernons pas vraiment. Il pourrait très bien courir vers la droite et nous échapper. Ne leur donne pas des idées. Silence! Je suis en train de procéder à une interpellation et dans ce cas, il faut obligatoirement annoncer aux malfrats qu'ils sont cernés. Je disais donc... Rendez-vous, vous êtes cerné. Ils ont bougé ou c'est moi? Il me semble, mais je n'en suis pas certain. Pourtant, chef, vous avez bien demandé à ce que personne ne bouge. Mon Dieu, mais quelle bande d'abrutis.
Chef, ils ont disparu. Comment est-ce possible? Pourtant, nous les avons presque pas quittés des yeux. Nous devons les poursuivre. Ils ont une mission importante, je ne vous laisserai pas les arrêter. Ok. Plume. Elle s'est sacrifiée pour nous. C'était vraiment courageux. Nous devons arrêter ce type. Allons voir du côté du laboratoire du professeur Giraud. Je me suis toujours demandé s'il y avait un moyen d'y entrer. Ben, il y a une porte, mais elle était scellée. Et il y a un coffre dans la mine que je ne sais pas comment aller choper. Tant pis. On le fera peut-être en fin de jeu si j'ai la foi. Genre là, même ce mur, on dirait qu'il est destructible. Ça me fait chier. Bon, c'est pas grave. Ah, mais s'il faut, il faut. Mais non. Mais non, il est plus là. Mais non. Bah si. Ah. Allons au laboratoire secret. La 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 la. Ah, alors. Pas de doute, c'est bien la porte du laboratoire du professeur Giraud, mais on pouvait pas y aller avant parce que le scénario nous en empêchait d'y aller. Elle est précisément décrite dans plusieurs écrits authentifiés. Datant de l'Empire. Malgré de nombreuses tentatives, personne n'a jamais réussi à l'ouvrir. Je me demande bien quel secret peut renfermer ce fameux laboratoire. J'ai une idée. Il suffit de creuser ici. Pourquoi passer par une porte trop sécurisée quand on peut prendre un raccourci? Si seulement c'était si simple. Plusieurs tunnels ont été percés, mais ils tombent tous sur un métal noir incroyablement résistant. Il semblerait que cette porte soit le seul accès. C'est exact! Moi qui croyais que le professeur Giraud n'intéressait plus personne, je sais plus quoi, merde. Vous êtes bien renseigné, humaine. Vous semblez en savoir long, vous aussi. Qui êtes-vous, juste? Je suis votre pire cauchemar. Oh non, je ne suis pas d'accord. Mon pire cauchemar, c'est de me réveiller un matin en robe rose avec des champignons qui me prennent pour leur princesse. Elle veut pas être bitch. Je déteste les champignons. Ah, pour une fois, on est d'accord tous les deux. Mais je me souviens de vous. Vous étiez avec mon père il y a 50 ans, le jour de l'attaque de l'Empire. C'est à cause de vous qu'ils nous ont trouvés. Vous avez trahi mon père alors qu'il vous faisait confiance. C'est à cause de vous qu'ils sont tous morts. Ils sont morts à cause de moi. Mais c'est Ménon. Mon père, tu veux dire Ménon? Non, c'est ça, j'ai dit la même chose. Tu serais Renaud, son fils? C'est donc bien vous. Comment? Vous n'avez pas changé en 50 ans? C'est de la magie de sorcier, aucun doute. Je vais enfin pouvoir venger la mort de mon père. Mais il est pas mort, imbécile. Mais ça, il le sait pas. Tu te trompes, ton père Ménon, il est vivant. Vous mentez! Vous avez disparu avec lui ce jour-là. C'est pourtant la vérité. Lors de l'attaque du grand Magus, on a été emporté loin d'ici, très loin. Il nous a fallu tout ce temps pour enfin revenir. Alors où est-il? Où est mon père? Dans le futur. Il est resté là-bas. Mais on va le sauver très bientôt, enfin j'espère. Si seulement c'était la vérité, je n'aurais pas eu à faire tout ce que j'ai fait. Qu'ai-je fait? Il n'est pas trop tard, il vous suffit d'arrêter maintenant. Si, c'est trop tard, chérie, Plume, comment pourrais-je vous venger si j'abandonne maintenant? Fina dit la vérité, votre père Ménon est vivant, j'en suis persuadé. J'aimerais pouvoir vous croire, mais jamais je ne ferai confiance à des humains. J'en ai fini avec vous. Ah, faut se battre? On se déplace un peu, mais... Je vais venger mon père. Oula. Oula.
Oh là là, mais... Mais c'est insupportable, je peux pas le toucher. Genre tout ce que je lui envoie, il esquive, et puis je peux même pas l'atteindre en fait. Bon bah je pense que c'est scripté, faut mourir, et puis voilà. Non. Bon, il y a peut-être une technique, mais j'ai pas découvert laquelle. On va voir. Ouais, faut lui renvoyer une boule, génial. Quel manque d'originalité! Je voulais pas y croire, mais en fait c'était ça. Merde. Ah. Ah bah il est devenu Super Saiyan, genre pour de vrai. Ah bah il est 3 maintenant. Merde. Mais c'est pas possible d'être aussi bête, hein. Mais il est où? Ah, c'est lui. Mais putain, mais... J'arrive pas à envoyer une simple boule. Oula. D'accord, ok, bon, bah... J'ai envie de dire de la merde, à un moment donné. J'ai qu'à le dire, si t'es énervé, on ira plus vite. Hein. Mais... Ah, ça me fatigue, hein. Genre t'appuies sur le bouton, non. J'ai pas envie de lui renvoyer, pas maintenant. Tu prennes 2-3 dégâts, sinon on va croire que le jeu il est facile. Il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Enfin, je vais pas en plaindre, mais... Pouf. Ah, j'ai quand même pris une boule dans la tronche, bon bref. Décidément, je déteste les humains. Vous devriez être moins forts que nous, les démons. Vos corps sont plus fragiles, vous avez moins de puissance physique, vous vivez moins longtemps que nous. Alors pourquoi? Pourquoi faut-il que ce soit vous qui gagnez encore et toujours? Il y a 50 ans, j'ai tout perdu, ma famille, mes amis, mon père, ce cauchemar se termine enfin, je vais pouvoir les rejoindre. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, d'autres viendront. Un jour ou l'autre, l'arme enfermée dans ce laboratoire sera activée et détruira votre monde. Et ce jour-là, ben, je rigolerai. Nous ferons en sorte que ce jour ne vienne jamais. Seul l'avenir nous le dira. Bah, je voulais pas le tuer, moi. Et qui, c'est fini, on a réussi à changer le cours du temps. La catastrophe ne se produira pas, le futur est sauvé. Mais dans le futur, il y avait mes noms. Hein.
Mais quoi? Attends, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait ou quoi? L'énergie libérée par Renan a permis d'activer la porte du laboratoire. Oh non, maintenant n'importe qui peut accéder à l'arme qui s'y trouve. Pas si nous entrons les premiers, nous pourrions détruire cette arme. Et découvrir les secrets que renferme cet endroit par la même occasion. Qu'est-ce que tu en dis? Tu penses qu'on devrait y aller? Oh, je vais dire non. Tu as sûrement raison, mais comment va-t-on faire pour empêcher cette catastrophe? Si j'en crois certains parchemins de l'époque de l'Empire, le professeur Giraud avait redécouvert des technologies magie. C'est une occasion unique d'en savoir plus sur eux. En tant que chercheur, je ne peux pas laisser passer une pareille aubaine. Ouais, donc en fait, c'est oui ou non, c'est pareil. Là. Je te suivrai quoi que tu décides. Je m'inquiète quand même un peu pour mes noms. Ah, c'est pas trop tôt, quoi, connasse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est extraordinaire, je n'avais jamais vu ce genre d'antiquité. Moi, je suis pas du tout rassuré, cet endroit a l'air d'avoir été abandonné. Putain, mais quel pénible. Personne n'a dû entrer depuis la disparition du professeur Giraud. Cela doit faire environ 50 ans. Peut-être que nous allons retrouver son squelette quelque part. Un squelette? Oui, avec un peu de chance. Après tout, le professeur Giraud est sûrement mort ici. Je me demande bien à quoi peut servir tout ceci. Oh, bah c'est un hologramme. Iiii, un fantôme. Cela ne ressemble pas à un fantôme, on dirait plutôt un message enregistré. Voyons ce qu'il dit au juste. 15 février 947. Je viens d'arriver dans cette époque, j'ai suivi le signal du modèle défectueux qui m'a mené jusqu'ici. J'ai pu les éliminer, lui et la femme. Je vais rester sur place en attendant l'apparition du sujet X terminé. Aucun doute, il s'agit bien du professeur Giraud, il ne sortirait jamais sans son masque. Cela voudrait donc dire que lui aussi pouvait voyager dans le temps. Trouvons vite l'arme et détruisons-la. Je n'aime pas cet endroit, j'ai quand même un mauvais pressentiment. Voilà qui est étonnant, il faut que je prenne des notes. Cette cuve est longue de binière. Voilà, elle est comme ça. On peut y lire des formules mathématiques. Ok. Des images floues d'une créature étrange qui court partout, une sorte de hérisson bleu bizarre. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, c'est une sorte de signal d'alerte. Peut-être que nous ne sommes pas les bienvenus. Bah, je crois pas, non. Ces ennemis semblent particulièrement hargneux. Je pense que nous devrions unir nos forces et les affronter en groupe. Je suis d'accord. Ouais. Quoi? Mode Active Time Battle? Oh. D'accord. Mais... je suis pas très bon dans ce genre de truc, non. Magie, booster. Je suis hello boosté. Oh, c'est super fort, booster. Slash. Ouais, j'ai obtenu 15 XP et 3 de gold. Apparemment, ces créatures métalliques ont détecté notre présence lorsque nous avons marché sur cette grille. Mieux vaut faire attention où nous mettons les pieds. J'ai remarché dessus. Et comment je l'ai, ce coffre? Je peux passer de l'autre côté. C'est quoi, ça? Je sais pas. Peut-être pas marcher sur la grille. Tu peux pas passer le long de la rambarde? Bah, je pense qu'il faut passer par derrière en fait, comme je suis en train de faire. Ok. Gelée de merde. Ah, un minerai. What? Il était donné celui-là, quoi.
Ouais, bon, là, je vais être un petit peu obligé, quoi. Il n'y a aucun moyen d'éviter cette grille. Préparons-nous à un combat difficile. D'accord. Ah oui, ça a l'air dur. Bon. Je voulais faire combo, tant pis. Magie. Confusion. Oh mon dieu, ils sont très confus. Magie, booster. Boum. Combo. Paf. La pastèque. Et on attend le combo. Paf. Easy. Zéro death. 20 XP. Waouh. Il faut absolument trouver un moyen de désactiver ces grilles, nous ne pourrons jamais résister face à toutes ces créatures. Parle pour toi. Des Daleks, putain, il y a des Daleks. Ouais, il y a un Dalek là, ouais. Erreur, sécurité en terreur toujours présente. D'accord. Ouais, d'accord, super. En fait, tu dis, eh, faut tout désactiver, sauf que je suis sûr que celui qu'il faut désactiver, faut passer par 20 trucs, quoi. Ah, sécurité 1 désactivée. Oh non, c'est un ordre. Erreur. Bon, c'est pas celui-là. Ah, le 2 est désactivé. Peut-être celui-là. Ouais. Mais quel homme, je suis trop fort. Eric, c'est le plus fort. Waouh. Mmh. Ah. Ah, il y avait celui-là là-bas. Merde. Par contre, je comprends pas. Sans déconner. Genre, ça me casse les noix. Mmh. Je t'explique pourquoi. Je l'ai vérifié 20 fois que le son était coupé. J'ai cliqué dessus, dit le son est coupé, et là, ça fait gling. Je comprends pas du tout. Je sais pas si c'est le nouveau Facebook qui fait ça ou quoi, mais c'est chiant. 14 juillet 1949. Comme prévu, le sujet X est apparu. Ce n'est encore qu'une petite fille, mais sa puissance est déjà phénoménale. J'ai pu la capturer, mais je ne parviens pas à la détruire. J'ai commencé à extraire son énergie. Cela devrait l'affaiblir. Terminé. Ok. Ah ! D'accord. Comment allons-nous faire sans lumière ? Ah tiens, la lumière est revenue. J'espère que ça va pas continuer comme ça longtemps. Ça risque de ne pas être très pratique. Trouvons le générateur et essayons de le réparer. J'aime pas. Qu'est-ce que quoi ? Ok. Ah, je l'ai raté. Oh putain ! Je rate si on est dans la nuit. Ah, ça va être vraiment nul. Va falloir attendre le bon moment, quoi. Genre là, j'attends. Et là, je peux attaquer ? Oh là là, quel enfer. La magie de la confusion. La magie de l'armure de glace. Bim. Je sais même pas si je peux faire un combo à 3, quoi. Je vais tester. Ah non, ça fait K2. C'est bizarre. Par contre, le mana qui revient petit à petit, c'est vraiment cool, quoi. Et je l'ai raté. Ouais, 45 XP. Ces machines ne me font pas peur. Ok. Encore un effort. C'est, j'ai trouvé. Apparemment, cette machine était utilisée pour faire du WoW.
C'est quoi du beau? Aucune idée. Aussi, je vois où. Une créature a visiblement tenté d'utiliser cet ordinateur avec ses griffes. Ok. C'est pénible ce petit flash. Hein. Mais c'est Mewtwo! Maintenant, activez la console en bas à droite. Ah. Maintenant, activez la console en haut à gauche. Je veux libérer Mewtwo, s'il vous plaît. Bien, maintenant, désactivez la console en bas à droite. Je confonds ma gauche et ma droite, moi. Super, maintenant, activez la console en bas à gauche. Parfait, maintenant, désactivez la console en haut à droite. Bien, maintenant, activez la console en bas à droite. Bien, maintenant, désactivez la console en bas à gauche. Parfait, maintenant, désactivez la console en haut à gauche. Excellent, maintenant, désactivez la console en bas à droite. Super, maintenant, activez la console en haut à gauche. Parfait, maintenant, activez la console en bas à gauche. Parfait, maintenant, désactivez la console en haut à gauche. Putain, mais... Parfait, maintenant, activez la console en bas à droite. Parfait, maintenant activez la console en haut à gauche. Excellent, maintenant désactivez la console en bas à droite. Putain, mais... Parfait, maintenant activez la console en haut à droite. Bien, maintenant désactivez la console... Putain, mais... Bien, maintenant désactivez la console en haut à droite. Attends, je suis... Oui. Bien, maintenant activez la console en haut à gauche. Putain, mais c'est pas possible. Maintenant, en haut à droite. Super, maintenant désactivez la console en haut à gauche. Ouais, ça suffit, ça sert à rien. Ah bon? T'es sérieux? Oui. Je suis très déçu. Ben, j'ai tout allumé. Pourquoi personne ne m'écoute? Attends, mais quoi? Mais s'il faut, fallait l'écouter, ça aurait fait un autre pont. Oh non, j'ai marché sur un truc. Par contre, tu as moyen de régler la lumière éteinte, la lumière allumée. Hein. Bah oui, il faut trouver le générateur, mais je l'ai pas encore trouvé. C'est le problème. Attends, quoi? Il s'est barré. Ah! Activation des contrôleurs, 1 sur 5. Oh putain. Ah, il y en a un autre là. Mais il y a une grille. Point info, c'est le deuxième. C'est fini. 2 sur 5. J'ai pas compris, excuse-moi. Le premier levier que t'as allumé, c'était le deuxième. Oui, mais c'est pour ça que je viens de voir qu'il y en avait et j'essaye d'en trouver. Oh, mais merde! C'est le booster. Mais merde. J'avais oublié la lumière. Ouais. On a trouvé 4 d'or. Bon, ça veut dire qu'il y a un panneau avant. Mais il est où? Là. Ok. Bon, on va... Autre chose, là. Oula, ça a pas l'air d'être là. Ah si, y'en a un. C'est le ruban rouge.
Un ruban rouge, tout à fait le style que j'aime porter, mais il est couvert de poussière. Ah, c'est drôle. 2 décembre 1948, mon prédécesseur a effectué de nombreuses recherches ici. Il a dû y vivre pendant très longtemps. En vue de l'apparition du sujet X, j'ai commencé à mettre en place un système de sécurité robotisé. Terminé. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? 19. Est-ce que c'est C18, C17 et... Ah non, il y a une étoile. Étoile. Ok, les caissons sont vides sauf un. Expérience alternative, caisson d'hibernation en dernier recours. Bon, ok. Mais je voulais de miaou. Attends, ils disent rien d'ailleurs. Bonjour professeur Giraud, comment allez-vous aujourd'hui? Il était pas si sympa, hein, Newton. Ah, c'est le dernier combat. Oula, 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 oula. Bon, on va booster tout le monde. Hein. Et j'ai encore tapé quand il n'y avait pas la lumière. Putain, mais... Putain, mais là, je vais ramasser en vrai. Merde, je voulais pas faire ça, tant pis. Oh non, mais... Allez, un moins, génial. Pourquoi ma force dépêchée? Ok. Mais il veut pas mourir. Ouf. Mais meurs, putain! C'est la galère. Ok. C'est bon, ça passe, ou pas. Ouf! Facile. Vous avez obtenu de l'XP et de l'or, ouais, comme d'hab. Allez, cette lumière là, con, ça y est. Ouf! Jupiter, la lumière est revenue. Enfin, je commençais à en avoir marre de tous ces combats aléatoires, pas toi. Non. Ce mécanisme semble continuer à fonctionner parfaitement. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai plus de vie, par contre. Il y a une sauvegarde. Ah, fallait la demander. Je vais aller de l'autre côté. Bon, on peut pas. Peut-être que si, en fait. Porte verrouillée. Veuillez activer l'ouverture depuis la console de gauche. Vérification de la demande d'accès à l'espace confiné 1. Initialisation du test de Turing. Oh non, mais c'est pas possible. Mais qui aime jouer à Pong? Moi. Putain. Oh non. Je suis nul à chier. Oh, ok, apparemment l'ordi aussi. J'espère qu'il faut juste aller jusqu'à 3. Paf! Bon, faut aller à plus de 3.
Bon, le maximum à aller, c'est 5. Ouais, gagné. Très bien. Allez, on bouge. Il y a encore des balèques. Mais, je croyais que c'était désactivé. Bon, c'est pas grave. Il semble électrifié, c'est peut-être dangereux. Comment éviter de se faire électrocuter? Il suffit d'attendre que l'énergie soit plus faible pour aller sur la grille. Génial. Oh mon dieu, mais elles sont en PLS. Aïe aïe aïe. Mais quoi? Mais comment je l'ai fait ressusciter? Enfin... Je comprends rien. Hein. Comment on pouvait se soigner? On pouvait au moins? Parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse se soigner. Hein. Dans la magie, elle a pas de... Et merde. Ok. Bah ça va être pratique. J'ai gagné de l'XP. Mais j'ai pas l'impression de prendre des niveaux quand même. Hein. Comment je fais pour les soigner? Bon, je comprends pas. Faut l'en refaire? Ah non, c'est quoi? C'est un snake? Cool, c'est un snake. J'aime pas les coins. C'est un bon fruit pourtant. Idiopète. Et comment on les soigne, pouf, pif, pouf, là? Miss Pouf et Méga Pouf. Mais regarde, elles ont pas de vie, comment on fait? Genre, elles vont mourir et voilà. C'est la joie. Putain, mais... Oh, mais elle, elle peut soigner... Oh mon dieu. Mais j'avais pas vu. J'avais su avant. Meurs toi. M'a saoulé. Oh putain. Eh, il meurt pas, hein. Il vole pas. Hein. Non intuable, merci. Voilà, merci, au revoir. Ouais, j'ai gagné de l'expérience, mais je ne gagne pas de niveau depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Allez, un autre mini-jeu. Oh, bête. Oh putain, ça va être long. Mais je suis nul à ça, putain. Oh putain. Tu
puis mon vaisseau il va pas si vite. Oh mon dieu, mais ils vont trop vite. Ah ! Cette moule. Non, en fait, c'est parce que je suis trop fort. Il y a des grilles, on dirait qu'elles sont pas cassées. Oh putain. Allez, on la soigne, hein, ça serait bien. Voilà, merci. Tout au moins, on a tous l'armure. Ça sent mieux. C'est le booster sur elle-même. Comme ça, moi, elle va filer le booster à tout le monde. Enfin, non. Pas l'air d'être trop ça, mais. C'est le booster. Bam. C'est nul, ça. Mon dieu. C'est le booster. Paf. Oh mon dieu, mais il crève jamais. Mais elle meurt, oh là là. C'est le soin. Paf. Eh ben, j'ai obtenu de l'expérience, mais toujours pas de niveau. Aïe aïe aïe. Bravo. Ah ben t'es fuckman. Oh non, c'est une blague. Je comprends pas les fantômes, ils te suivent plus. J'ai peur. Gagné. Ouais. Elle est longue cette zone, dis donc. Ah, j'espère que tout le monde va être soigné.
Parce que là, ça a l'air d'être un gros combat. Ouf, en effet. Alors. Super. Tu penses vachement bien. C'est la confusion. Ah, il y en a qu'un qui est confus. L'armure de glace. Paf. Ensuite, c'est la confusion. Ouais, c'est le booster. Allez, battez-vous entre vous là, foutez-moi la paix. Tiens. Tiens. Oh, le coup critique. C'est le combo. Ah bah super. Gros combo. Paf. C'est le soin. Paf. Putain, je fais plein de coups critiques. Paf. Paf. Non, mais... Mais c'est de la merde. Pif, paf, pouf, freeze. C'est le combo. Ouais. Zouche. Paf. Zouche. Paf. Impec. J'ai gagné de l'expérience. Enfin, j'ai apparemment gagné de l'expérience. Plein de petits cœurs là. J'ai beaucoup d'argent aussi. Oh, une Metroid! Trop cool. C'est ma meilleure amie. Oh, elle est trop mignonne cette créature. Peut-être devrait-on la libérer. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Techniquement, oui. Si on la libère, elle va tous nous tuer. Ah. Ah, c'est Mother Brain. Ok. Super. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? On dirait un énorme cerveau gluant. Ben, le pire, c'est qu'elle a un œil au plein milieu, en fait. Seul le héros survit dans ces cas-là. Ben oui, mais... Ça va le faire. Ah, il y a peut-être du monde, ouais. Apparemment, ces créatures métalliques ont décidé de le protéger. Ouf, ça va être dur. Bon. On va faire ça. C'est la confusion. On va en avoir besoin. Ah, un bec. Putain, on va charger. Ouf, il se tire entre eux, tant mieux. La confusion, c'est très fort. Paf. On va éliminer les petits monstres avant. C'est le retour de la confusion. Et c'est la glace, là. Comme ça, au moins, voilà, elle fait un super con. Oh merde! Oh là! C'est le soin! Paf! C'est l'armure de glace! On en aura bien besoin! Après, ce sera les boosters! C'est gratuit. C'est la magie. C'est le booster. Paf. Le coup critique. C'est le heal sur le personnage principal. Paf. C'est le booster. Paf. C'est le soin sur elle-même.
On va taper lui. Paf. Charge. Paf. Putain. Charge. Merde. C'est pas grave. Touche. C'est nul, mais c'est nul. Oh là là. Pourquoi j'ai tapé lui? Oh la vache. Putain, il crève pas l'autre là-bas. Ah, ça y est. Vite, c'est le soin. Ah, mais j'ai plus d'armure de glace, en fait. Paf. C'est le soin. C'est la magie. C'est l'attaque. C'est la charge. Je sais pas pourquoi. C'est le combo. C'est le booster. Paf. Paf. Ah, il est mort. C'était facile. J'ai obtenu beaucoup d'expérience, mais toujours pas de niveau. Putain, mais... Bon, je pense que c'était la fin. Il y avait la musique de boss et tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Yves? 16 juillet 1949. Le sujet X résiste mieux que prévu. Sa puissance a nettement diminué et l'énergie ainsi extraite a été stockée dans l'arme. Je vais relâcher mon contrôle sur elle pour pouvoir l'interroger. Terminé. Ok. Quelle créature. Alors c'est ça, l'arme. C'est de l'énergie pure extraite du sujet X. Nous n'avons pas trouvé le professeur Giraud, mais il n'avait pas l'air très sympathique. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Je n'en sais rien, mais peut-être, peut-être qu'il avait ses raisons. Peut-être qu'il voulait protéger quelque chose ou quelqu'un. Protéger? Je ne sais pas si cela justifie ce danger. Quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour le protéger. Et toi, Fina, qui voudrais-tu protéger? Il y a qui m'a protégé depuis qu'on s'est rencontré contre toutes sortes de dangers. Alors j'aimerais pouvoir le protéger en mon tour. Et dans ce cas, il faudrait qu'il soit en danger. Mieux vaut ne pas souhaiter que cela arrive. Lol. Tu as raison, avec ces voyages dans le temps, je commence à mélanger les causes et les conséquences. Le monde était si simple avant, tout avait un début et une fin. On ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, on ne pouvait qu'avoir des regrets. Je me demande ce qui se passera lorsque nous aurons détruit cette arme. Qu'adviendra-t-il du futur que vous avez visité et de tous les gens qui y vivent? Je me fais surtout du souci pour mes noms. Il est resté là-bas dans une époque qui n'est pas la sienne. Que va-t-il lui arriver? Mais non, prince de Démonia, j'ai toujours du mal à croire que vous l'ayez rencontré. Vous savez que des milliers de pages ont été écrites pour tenter d'expliquer sa disparition. J'aurais tant aimé le rencontrer. Alors le voici. Et maintenant, comment on va faire pour le détruire? Il y a forcément une solution. Plus personne ne bouge. Ah, mais c'est pas possible, pas eux. Si vous pensiez vous être débarrassé de nous, vous vous trompez, car nous sommes les services secrets. Rendez-vous, vous êtes cerné. Et cette fois, pour de vrai. Il faudra nous battre pour pouvoir vous enfuir. Ne leur donne pas de mauvaises idées. Moi, je n'ai aucune envie de les affronter, ils ont l'air drôlement forts. Rendez-vous, sans vous battre. Qu'est-ce qu'on fait? On leur met une raclée? Je suis en PLS, apparemment. Non, tout va mal, apparemment. Oula, ma tête, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il se passe? Encore. Je me rappelle cette arme. Il faut que... Yuki, non, ne fais pas ça! Arme 001 activée. Destruction imminente, veuillez évacuer les lieux. Oh, est-ce que je suis le professeur Giraud? Et c'est pour ça qu'il avait un masque? Tout va être détruit par ta faute!
Excuse-moi, Fina, cette voix dans ma tête, qui es-tu? Tout est fini. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Fin. Mais non, ça ne fait que commencer. Oh non. Ah, succès déverrouillé, double personnalité. Donc oui, bon, ben, j'ai compris. Enfin, j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Point, point, point. Maman, c'est toi? Doucement, calme-toi. Tu as dormi presque 9 heures. Quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'est fini, n'aie pas peur. Nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1049. En 1049? Oh mais non, mais... Hé, hey, qui es-tu? Ah mais oui, mais non. Tu n'es pas ma mère. Ah non, cela fait longtemps que j'en avais pas eu besoin. Tu peux m'appeler... J'ai hésité à l'appeler Cern et pas Cérès, mais bon. Appelle-la Messi. Ah, il y aura Ménon et Messi. Ouais. Ouais, mais Messi, ça fait footballeur, j'aime pas. Non, Cérès. C'est la Messi. Hein? Le Messi, la Messi. Le Messi. Bon, bref. J'ai comme l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. J'étais encore une petite fille. Et vous m'avez sauvé la vie. Et c'est donc, voilà, famille Yaki. Ben oui, je suis connu. Nous sommes à nouveau réunis après tout ce temps. Tu connais Yaki, alors peut-être que tu pourras l'aider. Non, l'aider, pff, je crois pas, non. C'est déjà fait. Lors de notre première rencontre, vous m'avez aidé à échapper aux gardes de l'Empire. Je vous ai rendu service à mon tour en vous sauvant de l'explosion de l'arme. L'arme, c'est terrible, la catastrophe a eu lieu. Nous étions censés l'empêcher, mais Yaki... Tout le monde ne peut pas échapper à son destin. Fina, où sommes-nous? L'arme, elle a explosé et ensuite, je me suis senti volumétrique. J'avais oublié cette expression, c'est très drôle. L'arme a explosé et Cérès nous a sauvés. Il semblerait qu'elle nous ait ramenés dans le futur. Le futur? Tant qu'à voyager dans le temps, j'aurais aimé tomber à l'époque des magies. Cérès, c'est bien ça? Vous semblez différent, ni humain ni démon. Je suis un mix. C'est ça. Enfin, je crois. Ah, mes souvenirs sont troubles. C'est formidable. Je ne pensais pas qu'il y ait déjà eu de cas semblables. Vous êtes unique. Laissez-moi vous examiner. Je... Velvet, Cérès nous a sauvés de l'explosion de l'arme. Tu ferais mieux de la remercier. Ah, je sais comment je vais l'appeler. C'est Velvé, pas Velvet. Excusez-moi, je suis passionné par le mystère et ce qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, en parlant de mystère, découvrez tous les mystères de Lechine. Ça faisait longtemps, ça. Yaki, tout va bien? Tu as retrouvé tes esprits? Non. Ce qui s'est passé dans la salle de l'arme, n'en parlons plus. Yaki n'a jamais voulu ça, ce n'est pas sa faute. Il nous suffit d'utiliser à nouveau un Magilite et de revenir avant ça pour empêcher l'arme d'exploser. N'est-ce pas? Bonne idée. Mais cela risque de créer un paradoxe spatio-temporel. Je me demande ce qui se passera alors. C'est notre seule chance. Malheureusement, c'est impossible. Les magilites ont été conçus pour éviter ce genre de choses. Si vous retournez maintenant dans ce qui est votre présent, vous arriverez toujours après l'activation de l'arme. Non, ce n'est pas possible, mon village, ma famille. Puis je vous demandais comment vous savez cela. Seuls les anciens magis savaient comment fonctionnaient les magilites. Je ne sais pas. J'ai des souvenirs. Et parfois, je vois des choses et des gens qui sont morts, qui ne se sont pas encore passés pour les magilites. Je sais que cela ne fonctionnera pas. Voilà qui est très intéressant. Il est possible que votre origine vous ait permis d'avoir des capacités inédites. Oui. Pour l'arme, il existe une autre façon. Vraiment? Oh merci, Cérès. Ce ne sera pas facile. Mais avec la clé magie, nous pourrons accomplir ce miracle. La clé magie? L'un des trois artefacts légendaires des magies?
Vous savez où elle se trouve? C'est un peu compliqué. Les magies avaient créé la clé comme une sorte de sécurité. Elle devait permettre d'effacer quelque chose de la trame du temps, mais c'était beaucoup trop dangereux. Alors ils l'ont brisée, confié chacun des fragments à un sage de leur époque. Depuis longtemps, je cherche ces fragments. Je pense les avoir localisés, mais j'aurais besoin de votre aide pour les rassembler. Pourquoi, elle est pas forte pour faire des puzzles? C'était donc ça. Je n'avais jamais envisagé que le temps lui-même puisse être modifié. Enfin, pas avant d'avoir rencontré Yaki et Fina. Et donc, si nous utilisons la clé magie pour effacer l'arme du temps, elle n'aura jamais existé et n'aura donc jamais été activée, c'est bien ça? Trois petits points. Exactement. Parfait. Allons vite chercher ces fragments de clé magie et façons cette arme abominable une bonne fois pour toutes. J'espère que les conséquences ne seront pas encore pires. Ah, c'est bon, on peut jouer. Yaki, j'ai aussi des souvenirs de toi. Je pense que nous partageons quelque chose. C'est dégueulasse. J'oubliais, prends ça, c'est important. La carte. C'est pas une carte. Pourquoi j'ai ça? Cet objet te permettra de voyager dans les époques. Il permet d'activer les magilites. Utilise-le pour trouver les fragments. Je vais vous ouvrir à tous un passage. Quoi? Attends, quoi? Bravo. Yaki, tu veux des informations sur les fragments de la clé magie? Non. Il te faudra bien les rassembler. J'aimerais t'accompagner, mais je dois. Reviens me voir si tu veux des informations sur les fragments. Oui, d'accord, j'en veux. Oh. Des informations au sujet de quel fragment? Oh mon dieu, non. Oh mon nom. Ouais, fragment du feu. Tu as déjà rencontré des pirates? Oui, Robert. Leur repère se trouve dans ton présent près d'un volcan. Ils détiennent le fragment du feu. Des informations au sujet de quel fragment? La glace. À l'époque de l'Empire, avant que le continent gelé ne commence à fondre, vivaient les Freros Vikings. Ils gardent le fragment de... Ouais... Fragment de la nature. Loin au sud-ouest se trouve une île, une forêt hors du temps. En son cœur, tu trouveras le fragment de la nature. Le fragment de la terre, les démons ont caché le fragment dans leur temple le plus sacré, mais son emplacement a été perdu lors de la destruction des démonias pendant la Grande Guerre. Des informations au sujet de quel fragment? Celui du temps. Il existerait un magite spécial dans la vallée du vent. Il donnerait accès au fragment du temps le plus mystérieux de tous. Des informations? Non. Au revoir. Donc en fait, faut que j'aille là. Téléportation, Scotty. Ok. Ah, et donc là, je suis où, là? Je suis dans la clairière. Oh, est-ce que je suis derrière ou devant le caillou? Ah, j'ai peur que le jeu ait craché. Oh, vite, faut aller voir la vieille. Ça fait un moment que je voulais te voir, Bibi. Elle va encore dire des mots doux. Ouais, elle va surtout dire « man ». Alors, oh mais quel charme, mon jeune homme. Que puis-je faire pour toi, mon poulet? On va acheter une potion, déjà. J'avais besoin d'une rouge. Mamie Bibi va te préparer une bonne potion. Oh putain, je viens de calculer quelque chose. Oui? J'ai trois ingrédients sur moi. Oui? J'ai du sucre, une pomme et un steak. Putain. Ça te fait un repas presque équilibré. Ouais, ça fait surtout un repas pour le Wok Donald. Je vais éveiller un allié. Sais-tu au moins... Ben oui, je sais ce que c'est, oui. Et s'il est éveillé, blablabla... Eh ben oui, j'en ai de la Mahana. Regarde, j'en ai deux. Oh, formidable, tu as trouvé de la Mahana. Et qui va profiter de l'éveil? Ben Fina en premier. Et après, Velvet. Ah, mais non... Augmentation de pouvoir, le pouvoir de Fina atteint le niveau 2, concentré plus longtemps pour une attaque plus puissante. Oui, bon. Jusque-là, on est d'accord. Eh ben, on va éveiller... Oh, non. Mais putain, mais... Éveiller un allié. Mahana. Oh, formidable. Et Velvet. Tiens, Velvet. Éveille-toi. Et moi, je peux pas être éveillé, moi. Nul. Zéro. Je sur 20. Le pouvoir de Velvet atteint le niveau 2. Très bien. Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Rien. À bientôt, mon canard en plastique. Horrible. Horrible.
Après, il faudrait peut-être que je retourne là où il y avait mes noms. Hein. En vrai, je vais voir si on peut aller le chercher. Genre, il était à Lille. Faut aller se garer et tout. Bon, vous voulez aller où, juste? Mais que... Ah oui, mais oui, je vais aller sur l'île maudite. C'est bon, on a déjà vu ce texte. Allez, va te garer, on va voir s'il y a Ménon par là. Genre s'il nous attend depuis tout ce temps ou pas. Comme ça, moi, j'aurai les 4 persos. On se gare. Bah quoi? Mais il y a le truc en place, il y a pas l'escalier, c'est quoi ce bordel? On va le refaire. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends quoi? Oh merde! Ce n'est qu'une hypothèse, il est tout aussi possible que nous nous retrouvions à mon époque ou à celle de... Mais en fait ça, on l'a déjà vu, ouais. Ouais. Allons-y, à qui on aura la réponse qu'une fois arrivé. Et je tiens pas à rester dans ce futur plus longtemps. Non, le faites pas! Enfin, ou alors déplace-toi. Ah ben oui, c'est bon. Ils ont disparu! Pourquoi ne suis-je pas parti avec eux? Mais que vais-je faire maintenant? Il y a un souci de cohérence, là. Bah non. Si. Non. Le bateau? Non. Pas de bateau. Bah, normalement, bah, si tu vois la scène qui est déjà en train de se dérouler, le bateau, il est déjà là? Non. Et tu viens de prendre un bateau? Oui. Parce qu'on a dû mettre plus d'une heure, donc il est rentré en ville. Oui. Bah ouais. Salut, Ménon. Mais non, comme je suis heureuse de te revoir. Mega Clink, mademoiselle Fina, j'ai cru que vous aviez disparu. Cela veut donc dire que le Magilite n'a pas fonctionné. Si, tout a bien fonctionné, mais c'est une longue histoire, par où commencer? Bla 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 bla. Oh, j'ai encore du mal à le croire, mon fils. Un terroriste? Quoi? Et l'arme, il ne faut point que je m'inquiète. Reno n'est plus un enfant à cette époque, il a sûrement pu s'échapper avant l'explosion. Peut-être le reverrai-je? Pays merveilleux. J'ai moi-même été très surprise de voir ces deux apparaître. Hein? Et lorsqu'ils m'ont tout raconté, je n'y croyais pas vraiment. Qui croirait sur parole des gens qui prétendent venir du futur? Je n'ai vraiment été convaincue qu'après avoir parlé à Cérès. Hein, Cérès, peut-on lui faire confiance? Elle nous a sauvés de l'explosion de l'arme, et elle nous a indiqué comment rassembler les fragments de la clé magie. Je le sais, mademoiselle Fina, je lui en suis gré. Sans elle, jamais je ne vous aurais revu. Et mon père m'a souvent répété que l'on n'a jamais rien sans rien. Pourquoi vous a-t-elle aidé? Voilà ce que j'aimerais savoir. En tout cas, sa connaissance des magies ne fait aucun doute. Les rares descriptions de la clé magie que j'ai étudiée confirment ce qu'elle nous a expliqué. Cela ne changera rien pour mon fils. Au contraire, si nous effaçons l'arme de la trame temporelle, Reno n'aura jamais l'idée de chercher à l'activer. C'est une bonne partie de l'histoire qui sera réécrite. Pour tout vous dire, cela me terrifie. Comment être sûr des conséquences que cela engendrera? Je ne resterai pas sans rien faire. Quoi que l'on fasse dans la vie, il y a toujours un risque. Et franchement, ça ne peut pas être pire que la situation actuelle. Je suis d'accord avec mademoiselle Fina. Quoi que nous changions, cela ne fera qu'améliorer les choses pour moi. Pour nous, sûrement. Peut-être pour tout le monde. Mais j'imagine que cela vaut le coup d'essayer. J'espère que nous faisons le bon choix, Yaki. Repartons vite. Non, rapportons vite les fragments de la clé magie à Cérès. Je suis heureux de pouvoir à nouveau t'aider, Mega Clink. Ouais! On a tout le monde. Ok, très bien. Et donc là, je peux activer le truc magie pour faire ce que je veux. Elle a dit que j'avais la télécommande pour les activer. Donc là, on est au... Là, on est au passé, là. Enfin, je crois. On n'est jamais venu sur l'île à cette époque-là. Oh! C'est l'époque d'Isabelle. Je
Enfin, c'est quoi ces trucs là? Bon. Ah, mais là, c'est le pirate Robert! En fait, je fais ce qu'il faut sans le vouloir. Je vais casser les peaux de tout le monde en tenue verte. Ya, ya, ya! Y'a un coffre là. T'es qui toi? Mais pourquoi tu tournes? Ouais, c'est vraiment trop bien d'être un pirate. Tous les jours, je me dis que j'ai bien fait d'avoir suivi Monsieur Robert. Mais il a l'air de se faire du souci depuis ces derniers temps. Ah bon? Le pirate Robert, je présume? En chair et en os, vous n'avez pas l'air de genoux en quête d'aventure. Vous semblez plutôt vivre votre propre épopée. Profitez-en bien, la vie est remplie de défis pour qui sait les découvrir. Certaines aventures peuvent être fort douloureuses. Croyez-en ma vieille expérience, le chemin peut être périlleux, mais toutes les aventures valent la peine d'être vécues. D'ailleurs, voulez-vous m'aider pour ma prochaine aventure? Oui. Voyez-vous, il se trouve, comment vous expliquer? C'est encore assez étrange pour moi, mais voilà, je suis amoureux. Ce sont des choses qui arrivent. Et qui est l'heureuse élue? C'est Isabelle. Une femme magnifique. Une femme formidable. Forte et fragile à la fois. Comment une telle femme pourrait-elle aimer quelqu'un comme moi? Effectivement, si l'on en croit les probabilités, moi je n'y connais rien en amour. Mais peut-être que lui écrire une missive serait un bon début. Mon père ne manquait jamais avant d'aborder une négociation délicate. Une lettre? Mais oui, c'est une excellente idée. Un instant, je vous prie. Tenez! La lettre d'amour. Toi qui as bordé mon cœur, qui as pillé mon sommeil, le vocabulaire utilisé est très singulier. Merci. Si elle répond positivement à mon amour, c'est décidé, je prends ma retraite et je vous donne les trésors les plus précieux. Inutile de les chercher, ils sont bien cachés et moi seul en connais l'emplacement. J'attendrai la réponse à ma lettre avec impatience. Je sais pas lire, à vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit de la remettre à la femme la plus exceptionnelle du continent. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué. Putain, je sais qui c'est. C'est qui? Faut retourner dans le présent. Enfin, je crois. Je sais pas qui c'est. Ben, je vais te montrer, c'était celle à côté d'Isabelle. Non. Je crois que si. On va voir. Voulez-vous prendre la mer? Oui. Mais je sais plus dans quelle époque c'était, Isabelle. C'était Ouais, je crois que c'était cette époque-là. Attends. Oui, elle est là, c'est elle, j'en suis sûr. J'arrive qu'un jour, mon prince charmant m'amène sur son beau destrier blanc. Ya! Mais si ça se trouve, c'est vous. Vu sa tête, aucune chance qu'elle plaise à Yaki. Se pourrait-il que... Oh! Vous avez une lettre pour moi? Comme c'est adorable. Laissez-moi la lire. Ah, tu vois, c'était elle. En dessous, il y a Isabelle qui pêche. C'est oui! Je vous ai toujours admiré, mon beau pirate Robert. Par contre, je ne vous imaginais pas si jeune. Avec vos cheveux d'une couleur si vive et vos lunettes sur le front, vous êtes tout à fait mon goût. Je crois qu'il y a quand même un malentendu. Tenez, monsieur Robert, voici la preuve de mon amour. Vous avez obtenu un profil Tinder. Quoi? Mais... Oh merde! Oh, on peut la défier! Oui, je veux faire le Game of Cards! Oh la vache! Ah, oh, j'ai le truc cheaté! Tiens, dès le début, paf, 5! Elle est là, quoi? Elle a de la nullité! C'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon! Eh bien. C'est ça que je veux faire. Paf. Paf. Ce fut rapide. Oula! Ah mais c'est le pirate! Non, mon cheat des devs! Tiens, je vais te détruire. Fallait pas me faire chier. Paf. 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 Oulala, c'est pirate. Ouf, elle est forte cette carte du pirate en plus. Elle est mieux que celle-là. Mais je vais la mettre là. J'ai pas trop le choix si je veux gagner. Pouf. Mais pouf. Donne-moi Robert. Tu as eu beaucoup de chance. Tiens, tu as mérité cette carte. J'ai gagné le pirate Robert. Et toi Isabelle, tu veux te battre?
Allez, le texte en bas, putain. Oh, elle veut pas. Bon, on retourne voir le pirate et on va peut-être bientôt s'arrêter là. On verra ce qu'il nous dit. En fonction de ce qu'il nous dit, on verra si on continue 5 minutes ou pas. Bref. Le profil Tinder. Oh, vous avez réussi à obtenir son profil Tinder? C'est super! Je vais la swiper tout de suite. Vous aviez parlé d'une récompense. Mais oui, tout à fait, mes plus grands trésors. Maintenant que je vais prendre ma retraite avec ma bien-aimée, je n'en ai plus besoin. C'est assez simple, en fait, je l'ai enterré en lieu sûr. Ils sont... J'ai oublié! C'est une blague? Pas du tout! J'ai vraiment oublié où j'ai enterré mes trésors. Depuis des mois que je ne pense qu'à mon amour, j'ai fini par oublier. Mais peu importe, je vous avais promis une récompense, je vais donc vous confier ce qui me reste de plus précieux. Au moins, nous n'aurons pas fait tout ça pour rien. Et là, c'est de la merde. J'ai obtenu un drapeau pirate. Wow. Véritable. Ah, mais c'est pour être un pirate et donc tuer... Bon, ok. Prenez-en bien soin. Et faites en sorte que le nom du pirate Robert soit encore connu dans un siècle. Je crois que ça va nous servir à quelque chose. Mais oui. J'espère bien aussi. J'aurais dû lui dire non. Au moins, on aura aidé deux êtres qui s'aiment à se rapprocher. Alors... En ce qui concerne mes trésors, je vais informer tous les pirates que celui qui les trouvera deviendra le roi des pirates. Cela devrait susciter de nouvelles vocations. Ben oui, One Piece, par exemple. Oui, je prends la mer. Mais c'était là, le volcan. Ah, je peux pas encore y aller. D'accord. Donc il faut vraiment que j'active le... Ah, mais il y a un truc là-bas. Oh. Genre, il n'y a rien là. Genre, rien du tout. Putain. Alors, avec le bateau, parce que là, pour moi, il y a plein de choses dans le désordre que tu peux faire. Mais oui, j'imagine en fonction de l'époque. Ah, oh, il y a un campement là. Du mais coup, putain, avant mais de... comment on fait pour y aller là? Avant de continuer l'histoire, qui sera très sûrement dans le prochain stream, il y a des choses à faire dans les collectionnables si tu veux. Ouais, ouais. Oui, oui, donc, oui, on va faire ça, mais alors, ça me fait chier. Je ne sais pas du tout à partir de quelle époque, hein. Je ne sais pas. Mais avec ton bateau, que tu as maintenant un peu comme tu veux, il te faudrait partir vers la forêt des Sylves. J'ai la neige. Ah, oh, j'ai les Vikings. Mais c'est où que je peux m'arrêter? Oh putain. C'est en fait, il me faut un ponton. Et je pense que... Attends, mais même à côté, il y a des îles de partout, là. Bon, attends, je regarde vite fait avant de couper. C'est, je pense qu'il y a un endroit où je peux m'arrêter, c'est que quand il y a le ponton, et dans ce cas-là, c'est peut-être dans le présent que je pourrais faire les Vikings, pour que la neige fonde. Ils avaient parlé de réchauffement climatique. Donc pour atteindre le ponton, peut-être qu'il faudra que je sois dans le présent. Bon. Voyons voir s'il faut, il y en a un caché là. Bon, ben, ça sera ça. Faudra aller dans le... Dans le présent pour ça, dans le présent pour Wogdonald. Je sais plus si c'est le présent ou le passé. Non, c'était le présent. Tiens. Bah là, c'est tout le début du jeu, là. Non ? Ouais, c'est la clairière. Ah, il n'y avait pas des trucs... Ah ouais, mais maintenant, avec la glace de l'autre, je sais plus où il faut aller, quoi. Ta voyance, son pouvoir 2, elle. C'est pas mal. Ah, si, là. Bon, ben, dans ce cas-là, pour le prochain stream de Evelan, c'est-à-dire demain, à la même heure, 14h-16h, eh ben, on fera ce que tu me dis, là, du collectionnable. Si tu veux, oui, enfin, tu pouvais le faire maintenant, je pense, c'est très court. Ah bon, c'est très court? Bon, j'ai un animal. Juste que c'est la, si tu veux, c'est la fin de l'image que j'ai sous le laboratoire. Bon, ça correspond plus au labo, mais... Parce que là, surtout, ce qui est fragment, c'est les pages suivantes, c'est pour ça. Ok. Donc là, ça serait partir vers la forêt des Sylves, mais je ne sais pas quelle époque, je ne sais pas où c'est. Alors, le problème... Enfin, le problème, c'est que... En fait, j'ai beaucoup de choses qui se passent au présent. Mmh. Dans ma tête. J'ai une meuf en vert
attends, parce que je sais pas si c'était pas au-dessus là-bas. J'ai rien pour ma pour accoster là, non. Ah, il y a un ponton là. Ah, j'ai plus besoin de. Cool. Ben c'était. C'était où? C'était au mont Alpha. Oui, c'est au mont Alpha qu'il faut que j'aille, parce que là c'est bloqué, j'imagine, par le caillou. Oui, mais là j'ai chose, donc je m'en fous du caillou. Il me faut me concentrer davantage. Ok. Donc en fait le caillou c'est plus un problème. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ok, très bien. Donc le caillou c'est plus un problème. C'est au moins Alpha que j'ai quelque chose à faire avec Fina à la vallée du vent. Je sais plus si c'est là ou si c'est dans le présent. Je crois que c'était dans le présent. Bah oui, parce qu'il n'y a même plus Agrota. Ok. Donc dans le présent, il y a ça. En fait, il y a trop de choses à faire dans le présent. Je sais pas comment je peux y retourner. En utilisant le Magilite de... Tu crois que je peux naviguer dans les... Comment ça s'appelle ? Les époques. Ouais. Genre tranquillement avec le Magilite ? Je pense. Je vais voir. Parce que si je peux atteindre le présent, ça m'arrange. J'ai trop de choses à faire dans le présent, en fait. Oui, oui, tu peux... Normalement, oui, tu peux... Oui, elle avait dit que je pouvais, donc... Genre, si j'appuie là, clique... Je passe dans le présent. Et après, dans le futur, et après, dans le présent, je pense que c'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, tant mieux. Mais je pense qu'il faudra que j'utilise d'autres Magilites. Hein. Parce que s'il faut, celui-là, il est loin. Si c'est juste mon seul endroit... Enfin, je pense pas que ça soit le seul moyen de passer par là. Bon, on va vite faire la vallée du vent avec... avec Fina, là. Oh, putain. Ah oui, mais ça vient de péter. Ben oui, dans le... c'est dans cette époque qu'on a commencé à faire péter la machine. Genre, c'est devenu, ça y est, c'est Craterland, quoi. Bon, c'est pas grave, la vallée du vent n'a pas été touchée, tant mieux. Parce que je suis certain d'avoir un truc là. Puis après, il faudra aller au walk. Genre là. Là, il y avait une sylve. C'est pas ça? Genre, nous autres gardiens avons été découverts par les magies, ils pensaient nous avoir créés, blablabla, oui. Toi qui cherches le pouvoir sacré du vent, je vois que tu es éveillé, mais m'as-tu apporté ce que je demande? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'il demandait lui déjà? Mais je sais pas. Une étoile? Ce n'est pas cela. Mais c'est quoi qu'elle demande? Elle me l'a pas dit. Un minerai? Non. Bon. Ça va être un objet, mais lequel, je sais pas. Bon, tant pis. On va trouver un objet en rapport avec le vent ou les plantes. Je pense. Bon, bah dans ce cas-là, je vais faire un petit tour au McDonald's. Hein. La vie continue. Je vais le faire vite fait. Et puis on arrêtera après le McDonald's. Oui, oui, tout a pété, oui, on sait. Oh là là, c'est la panique, quoi. Allez, McDonald's. Ah, mais c'est fermé! Putain. Mon père s'est enfermé dans la maison. Il faut pourtant qu'on aille loin d'ici. Comment je vais faire pour le faire sortir de là? Une fois que les choses se seront calmées, c'est décidé, je vends cette vieille maison. Ah. Eh bien, je ne peux pas aller au McDonald's. Bon, là, je vais rentrer dans un bâtiment si je peux. Oh, il n'y en a aucun. Comment je fais pour sauvegarder? Et si je sors du village, ça sauvegarde? On va sauvegarder, on s'en va. J'espère qu'il y a une icône sauvegarde. Attention. C'est bon. Bon,
Eh bien, merci de nous avoir suivis pour ce stream des volants de la suite du temps, de la suite du passé. Ouais. Et on vous dit à demain, tout simplement, pour bah, la suite encore des volants. Et à dans une heure pour du Dofus. Voilà. Allez. À bientôt, à tout à l'heure, bisous.